Et en fait, donc j'ai été faire du VTT hier et j'ai complètement attrapé, je sais pas, j'ai attrapé une connerie, ce qui fait que je suis complètement à plat dans mon lit. Donc là, j'ai eu la foi de me lever pour faire la démonstration du DLC. Et donc là, bah, je suis dans Pegasi Osiris et j'ai mon petit Luxure de luxe qui m'attend. Donc voilà. On va monter dedans. Donc prix de ce Luxure. Je vous montrerai tout de suite. Prix du Luxure de luxe, 10 millions. Ce qui me fait rire, c'est que là il est de luxe, 10 millions. Normal, 1 million. Voilà. Luxure, j'ai eu le Swift aussi de luxe. Ça reste abordable, on va dire, pour un hélico de luxe. Sachant que lui était à 1,6 million. Mais bon, c'est pas trop une raison. Donc si vous êtes sur un PS4 et que vous avez acheté ce Luxure, si vous mettez en vue première personne, parce que là je pourrais pas. Non. Vous allez pouvoir prendre du champagne, faire quelque chose d'assez stylé. On dirait qu'il n'est pas comme le Luxure normal. Oh putain. Et donc là on va aller à l'appartement où j'ai tous les véhicules du nouveau DLC, donc le Crime Pay. Et le Crime Pay partie 1. Enfin non, sur PS4 c'est écrit le Crime Pay 1. Donc moi je me suis dit 1, ça veut dire qu'il va y avoir le Crime Pay 2. Et le Crime Pay 2, j'ai eu des nouvelles informations sur des forums, comme j'avais eu des informations pour Black Ops 3. J'ai cherché un petit peu, je me suis dit, parce que quand même, ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième DLC. Et là, en fait, on aura des points américains, on va avoir un nouveau pistolet. Oh putain. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, et donc on va se préparer à atterrir. Voilà, on atterrit tranquille. Moi je suis un taré. Voilà, moi j'atterris en plein sur les routes comme ça. J'ai mal à la gorge. Donc là, en fait, j'ai acheté une tenue. On va dire. Les tenues, je le voulais montrer dans la partie 1. Plus dans la partie 1 que dans la partie 2. Là, je vous montre un petit peu tous les véhicules et les armes. Parce qu'en fait, sur la partie 2. J'ai acheté les tenues sur PS4 parce que la qualité quand même est vachement meilleure. À la morgue, oui, vas-y, tu vas mettre une prime de combien? Et en fait, donc sur PS4, si vous mettez la vue à la première personne dans le Luxure, vous allez pouvoir boire du champagne. Et vous voyez que quand il y a écrit Luxure de luxe, c'est quand même pas pour rien, hein, parce que quand même l'intérieur de ce Luxure est vachement magnifique. Donc très prochainement va y avoir un setup, parce que là je vais commander, normalement je vais commander un nouveau micro avec un nouveau support et sûrement un filtre anti-pop. Donc là normalement il y a la Pegasi Osiris. Donc là on a la Benefactor Streaming GT, donc qui est vraiment vraiment stylé, vraiment une belle gueule. Enfin, c'est rallye aussi. Là on a la Albany Viegro qui est vraiment pas mal aussi. Et là on a les Edus Windsor avec tous les motifs différents. Donc je les ai toutes achetées. Au moins il y a toutes elles ont toutes un motif différent. Donc là on a la avec, est-ce qu'il nous dit le truc? Non, il ne dit pas le... Enfin je les ai tous.
Donc je vais faire un petit peu le tour des voitures. Donc normalement celle-là elle est marron, j'ai changé la couleur. Celle-là normalement elle est blanche, j'ai changé la couleur. Et là après les autres j'ai pas changé la couleur. Donc elles sont vraiment vraiment pas mal. Bon elles sont bien, vitesse max ça passe, accélération elles en ont une bonne, freinage elles ont rien du tout, traction c'est coup-ci coup-ça. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents donc aussi ils ont refait tous les sites internet, c'est vraiment pas mal ça aussi. Donc on a la monogramme 69, donc un petit peu Louis Vuitton on va dire. 69 et multicolore, multicolore c'est un po' italiano, hein, italiano. Donc celle-là c'est je sais plus trop, je sais plus. Santalove et géométrique. Ouais. Hein, bof. Ninja Yeti. Monogramme perceuse. Guépard Santo Capra. Un petit peu, ouais. Léopard, quoi. Et Python Santa Capra. Ça fait un peu zèbre. Donc voilà. Donc, les prix des voitures maintenant. Là, on va dire. Ça passe, 200 000, ça passe. 845 000, ça commence à devenir cher. 975 000 pour la voiture, ça va encore. 2 millions, ça fait cher quand même. 2 millions la voiture, ça fait quand même un peu cher. Donc je regarde un petit peu parce que j'ai vu qu'ils ont refait les sites internet et ils les ont bien refait. Ouais, ils ont bien refait. Pardon, ils ont refait le site Elitas aussi. Ils ont refait le site Pédale. Voilà, avec l'enduro. Le Souterrain San Andreas Cyberautos, ils l'ont refait aussi. Mais il n'y en a pas. Le dock pour les bateaux, ils l'ont refait aussi. Et le Warstock, ils l'ont refait aussi. Et bien sûr, moi j'ai tous les véhicules, donc vu que j'ai fini tous les braquages. Hein, il dit stock exclusif. Nouveau modèle. J'ai le nez qui me prend. Et Dynasty 8, ils l'ont laissé. Bon, il n'y a pas de nouveau truc. Hein, à part, ils vont te dire nouvel intérieur, mais alors que c'est toujours les mêmes. Donc voilà, donc on va sortir. Et donc là, il m'a envoyé un message comme ça, Pegasus. Et je vais pouvoir dupliquer mon véhicule. Pardon. C'est-à-dire que là, en fait, je vais là. Bon, ça va être un peu chiant. Tout ce que je veux là, c'est... vous êtes trop loin d'une route adaptée. Merci. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la nouvelle arme, donc la ADP de combat. Et donc, je pense que vous avez remarqué tous sur PS4, pour personne qui a PS4, vous allez le voir dans la deuxième vidéo qui va suivre. Donc je vais les mettre toutes les deux en même temps. Je vais essayer de les upload en même temps. Ça va être difficile, mais vu ma connexion en ce moment. Je vais peut-être bientôt passer avec la fibre optique. Hop. Voilà. Je suis en train de préparer la vidéo recrutement de la team pour les mods by Raven. Donc voilà. Bon, cette couleur-là, elle est pas trop top, hein. Il y a juste comme ça qu'elle est bien. Donc, on va passer au lance-auto custom. Je vais vous montrer un petit truc. Dans la description. Mettez un commentaire à laquelle vous pensez, quelle voiture elle vous fait penser. Moi, je vais vous dire à laquelle elle a fait penser, à la Pagani Yaura. Donc dites-moi si vous avez pensé à cette voiture, ou alors est-ce que vous avez pensé à la Koenigsegg Agera R, ou à la Yaura. L'arrière fait penser aussi à une autre voiture, à la Ferrari 438 Italia. Et voilà, dans l'avant plutôt, l'avant il fait penser à la 438.
C'est pour ça que je vais la mettre en rouge. Rose gracieux. Elle est pas un peu jolie quand même comme ça. Par contre, faudrait changer les pare-chocs. On a la masse de pare-chocs, hein. Voilà, au début elle est comme ça. Elle pète le feu. Elle pète le feu. Voilà. Y a pas d'autre mot. Donc, alors. Direction aviation. Donc, cette voiture est plus puissante que la Adder. Donc, je vais faire une. J'allais te faire une petite vidéo aussi où on va comparer des petits. À chaque DLC, on va comparer les nouveaux véhicules avec la Adder et la Ventor. Donc aussi, on est en semaine double XP. Double XP et double RP. Et double dollar GTA 5. Voilà, hop, ouverture. Je sais plus comment ça s'appelle ces ouvertures. C'est pas les ouvertures papillon, c'est les ouvertures, je sais plus. Tac, 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 tac. Ah oui, on a aussi eu le. Ah, il ne le montre pas. Ou alors c'est que moi, je sais pas. Donc voilà, LDP de combat. Tac, et là on a les différentes teintes. Mais regardez, j'ai eu aussi le. Ah non. Ah d'accord. Dans le mode rivalité de la série, de la liste d'activités de l'événement, Rockstar. Regardez, liste Rockstar. Événement le crime paye. Vous allez avoir le Colt 50. Donc qui est disponible que avec les personnes qui ont le GTA 5 édition Deluxe d'Alex. Ouais, c'est vrai que la voix est un peu bizarre. J'espère que vous allez quand même aimer ma vidéo, hein? Parce qu'on se retrouve bientôt à la fin de cette vidéo. Et voilà. T'as cru que j'allais éternuer, hein? PD va. Hein? Quoi? Quoi? Non, je rigole. C'est la fatigue. Bref, j'espère que cette petite découverte de DLC vous aura plu. Bon, en tout cas, ce DLC, ils se sont quand même gavés. Même si pour le crime paye, ils ont cru que avec les braquages, on est devenu riche. Avec les braquages, on a pu gagner quoi? Allez, 10 millions au maximum. Et là, j'ai fait un petit calcul. Enfin, un petit calcul, même, je crois qu'il y a un ou deux youtubeurs qui ont dit un petit peu la somme totale de ce DLC. Et on en a pour 20 millions. Hein? 20 millions. Comme a dit un pote, à mon avis, ils ont fait le DLC pour les lobbies. Pour les personnes qui ont fait des lobbies. Ah. Regardez-moi, sans faire de lobby. Bon, là, il me reste plus que 9 millions. Voilà. Mais bon, en faisant un lobby, quand même, bon, on va dire que le lobby, je l'ai depuis très très longtemps. Hein, j'avais eu 10 100 millions, ouais, j'avais eu 100 millions. J'avais eu 100 millions à l'époque, enfin à l'époque. Je crois que c'était. Ah ben non. C'était juste après Noël. Ouais, c'était juste après Noël. Donc ouais, ça doit faire 5 mois. 5 mois que je vis avec ça. Donc voilà, hein, tranquille. Donc je vais vous laisser sur une petite vue assez sympa. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez!